Donc, comme je disais, on ne fera pas du AWS aujourd'hui, mais plutôt du retour d'expérience suite à de l'expérience que j'ai eue lors de la mise à jour de certaines applications sur mon serveur. Ça, c'est tiré en fait de mon wiki que j'ai extrait pour pouvoir mettre là-dedans en enlevant certaines informations qu'on pourrait considérer sensibles. Voilà. On va commencer avec la mise à jour de GitLab. Pour ceux qui savent, j'utilise vraiment beaucoup GitLab, qui est comme GitHub, mais avec les issues, le wiki, etc. Là, puis c'est tout interconnecté. Donc, pour moi, mon GitLab, il est critique. En fait, sur mon serveur, tu as trois choses. Tu as mes emails, qui est comme la priorité critique qu'il faut qu'il marche. Mon GitLab, puis amender mon site web. Là. Je veux dire, mais c'est moins critique. Là. C'est pour ça qu'il a pu être down trois jours. Bon, c'est dommage pour vous qui, si vous voulez y aller, mais moi, ça m'intéresse, c'est moins critique pour moi. Parce que tout est dans mon GitLab, et anyway, ça répond pas. Donc voilà, ça, je voulais faire une mise à jour de mon GitLab. J'étais à la version 1.8.11.4 et je voulais passer à la dernière version à ce moment-là qui était 1.9.1.3. Donc comme on peut voir, je passe d'une version major aussi. J'étais un petit peu... J'avais peur que ça merde en fait, puis j'avais pas envie de tout recommencer. Donc, on va voir qu'est-ce que j'ai fait pour me préconiser, en fait, me protéger face à ça. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai voulu valider mes sauvegardes parce que finalement, je l'avais jamais fait. Et que j'avais des backups journaliers, mais j'avais jamais testé mon backup. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher mon fichier de sauvegarde et je suis allé chercher, parce que bien entendu, ça roule dans un container. Donc, je suis allé chercher ma configuration du Docker Compose. Juste pour dire, mon GitLab que j'utilise, il est disponible sur GitHub. Donc, ça vient de la compagnie GitLab, mais ça reste public. Donc, c'est eux qui le font, mais c'est pas un official, mais c'est officiel pour GitLab, là. Donc kiff bourricot là, tant qu'à moi, dans le cas présent. Donc là, je suis allé récupérer ça, et là, ce que j'ai fait sur, donc j'avais mon environnement de production et mon environnement de test, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à jour mon image de GitLab sur mon environnement de test. Ça a été ma première erreur que j'ai fait lors de l'opération. J'aurais pas dû mettre à jour mon image à la dernière version. Car après j'ai regardé qu'est-ce que ça prenait pour installer ton backup, ça te prend exactement la même version de où le backup a été fait. Fait que là, je me suis tiré une balle dans le pied à ce moment-là, j'étais juste trop excité de mettre la dernière image et voilà quoi. Donc je me suis retrouvé avec une problématique que j'avais mis à jour l'image du GitLab. Je me suis dit, haha, pas de problème, I'm so smart. Je vais aller sur GitHub et je vais aller mettre, au lieu d'utiliser la latest, je vais faire un Docker pool pour récupérer la version exacte. Donc ça, c'était comme, j'étais comme super fier de moi d'avoir pensé à ça. En fait, là, j'ai pas le output, mais la version 8.11.4, elle est plus disponible. Donc là, je me suis retrouvé avec une problématique que je pouvais plus récupérer l'image avec laquelle mon backup a été fait. Donc, théoriquement, j'aurais pu en prendre une un peu proche, puis me guesser en me disant que ça allait marcher peut-être ou peut-être pas. Et c'est là que j'ai eu l'idée. Je me suis dit, hey, attends, en fait, ton serveur GitLab fonctionne aujourd'hui en production. Okay? Donc là, j'avais toujours une version. Quand j'ai fait un Docker PS, ben effectivement, de mon Docker image, mon image, j'ai bien, là, elle est taguée latest qui était à ce moment-là. Ça fait 8 mois qu'elle est là. C'est mon image originale. Okay? Donc, l'image, elle est disponible. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un Docker save. J'ai sauvegardé mon image latest. Je l'ai nommée 411.tar. Je l'ai zippé après et j'ai récupéré mon image. Donc, ça m'a permis d'avoir exactement la même version que j'avais en production et de le ramener sur un environnement de test. Sans Docker, là, bonne chance pour pouvoir faire ça. Tu essaies toujours de garder tes environnements de pré-prod et de prod équivalents, là, mais gratte-toi, là, il y a toujours des différences. Là. Donc là, ça m'a permis au moins de récupérer l'image pour pouvoir fonctionner. Donc là, j'ai récupéré mon image. J'ai fait après un Docker load du tar GZ pour pouvoir le récupérer.
Là, j'en fais juste mention parce que le problème, c'est que quand tu fais un Docker load, il y avait peut-être un paramètre que j'aurais pu toucher pour que ça fasse autrement, là, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Quand j'ai fait le Docker load, j'ai déjà ma version latest que... non, en fait, ce qu'il a fait, c'est que ce fichier-là contient le tag latest et celle que j'ai mis à jour juste avant. Ce qu'il a fait, c'est comme « Ah, il existe déjà, donc je vais te le renommer. » Vous voyez, les tags, ils ont été un petit peu, en guillemets, « botchés ». Donc, ce que j'ai fait pour que, juste avoir quelque chose de propre, j'ai renommé, j'ai repris. Ici, vous voyez, il y a les numéros des images. Là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai renommé mes containers pour avoir des images avec les tags propres. Donc, ce qui me permet d'au moins avoir le... 4.11 qui est là, puis le là, puis le latest qui est exactement comme le 1.8.3. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de cet apprentissage-là? C'est que tu peux, puis je l'avais déjà entendu dans le passé, tu peux pas te fier au Docker Registry public de Hub, c'est pour tes anciennes versions, etc. Donc, je pense que, et là, je suis en train de travailler là-dessus, avoir un Docker Registry privé pour tes images devient essentiel pour justement quand tu veux conserver dans le temps, pour pas que ça soit effacé, là. Sinon tu vas te retrouver à un moment donné plus l'avoir. Là ça allait parce que j'ai fait un save, j'ai récupéré, mais ça t'oblige à une mécanique que tu peux te passer à côté, là. Surtout que le Docker Registry est quand même intéressant. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré le Docker Compose. J'ai fait des petits clean-up pour éviter tout ce qui est l'ouverture avec les adresses IP externes, etc. Puis, j'ai changé aussi le Docker Compose pour plus qu'ils prennent le GitLab CE latest, mais qu'ils prennent le GitLab 8.4.11 là, pour démarrer. J'ai démarré mon GitLab. Et là, ce qu'il m'a donné, il m'a donné des erreurs, en fait, parce qu'il ne trouvait pas le fichier CRT, un fichier de certificat. Je me suis dit, OK, pas de problème. Ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas fait chier, entre guillemets. Je suis allé récupérer ce qu'il y avait sur le serveur de production, tout mon slash etc, puis je l'ai ramené en test. Il était là. Moi, ce que je veux tester, c'est mon backup. Puis après, ce que je veux tester, c'est est-ce que ma procédure d'upgrade va marcher sur l'environnement de test. So, c'était beaucoup plus facile comme ça de faire cette opération. J'aurais pu régénérer un nouveau, mais de toute manière, le SSL, il va me donner un warning anyway. Là, fait que ça... Résultat, j'ai redémarré le tout, puis il m'a demandé le mot de passe pour l'administrateur. Donc là, j'étais revenu à la même version de mon GitLab version 8 sans mon backup, évidemment. Après, je suis allé, j'ai cherché la documentation sur GitLab où ils donnent l'ensemble des opérations pour faire la restauration. Donc là, j'ai suivi bête et méchant. Là. J'ai fait le Docker exec où il fait une reconfiguration. Vous voyez, j'ai pas besoin de faire un Docker exec bash. Je fais juste toutes mes commandes comme ça. Là. C'est plus facile. J'ai fait une validation après où il va aller chercher le répertoire de backup pour le mettre exactement à la même place. Donc, dans la config, j'étais juste pas sûr où c'était. Donc, vous voyez, il le met dans var opt backup. J'ai regardé var opt GitLab, c'est où dans mon Docker Compose? Parce que, vu que l'association des volumes avec le file system exact n'est pas équivalent, donc c'était dans SRV Docker Data qui est bindé à var log. J'ai donc copié mon fichier de backup à l'intérieur. J'ai donc lancé la restauration suivant la doc, là, où il fait le stop des différentes opérations, le statut. J'ai roulé ma restauration. Donc ça, c'est vraiment... là, j'ai roulé ma restauration. Mais j'ai eu un permission denied. Parce que quand j'ai fait la copie ici, je l'ai fait en copie en tant que root. Donc, ce que je suis allé voir, je suis allé regarder le répertoire parent. C'était quoi les permissions qui sont là? En fait, les permissions qui sont présentes, ça ne veut pas dire que c'est vraiment journal. C'est le UID à l'intérieur du Docker. Tu sais, parce que le container GitLab
à son fichier slash etc password. Donc, il y a des UID qui sont associés. Si ça se trouve, ce système de journal upload, ben, ce UID, il est bindé à l'intérieur du container à GitLab. Il faut juste. Donc, c'est pour ça que là, je suis allé regarder. Donc, c'était quoi le répertoire? Puis, j'ai dû faire un chmod. Ouais, ça. J'ai changé les permissions pour m'assurer que ça soit maintenant système journal à l'intérieur du fichier. Et j'ai reroulé ma patente. Puis là, d'un seul coup, après, il disait de faire ça, puis le sanitize. Et j'ai eu un succès. Donc, à ce moment-là, je me suis retrouvé avec une copie exacte de ma production en testant la restauration de mon backup. Donc, maintenant, j'étais prêt à faire la mise à jour de mon container de test avant de faire ma production. Là, ce qu'il disait, tu fais Docker Compose Stop, tu changes l'image, Docker Compose Up et success. Ok, c'est pas vrai. J'ai eu une petite erreur 500 quand j'y suis allé avec la base de données. Fait que ce que je me suis dit, je sais pas trop quoi faire. J'ai fait un Docker Stop, un Docker Up, puis ça a marché. Tant qu'à investiguer, là. Puis ce qui est hallucinant, c'est que quand je suis arrivé en production, j'ai fait exactement la même opération, puis j'ai eu le même bug. J'ai fait le stop, le hop, puis bam, tout a marché. Ah, ça. Tu sais, pour moi, c'était consistant. Tu vois, un problème avec la BD, là. Who cares, hein? J'avais pas envie d'analyser ça. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment de pouvoir récupérer l'image de production et de la ramener sur tes autres environnements pour faire tes tests. Tu sais, après, j'étais confiant, là, de pouvoir faire mes opérations. Des questions? Quand tu fais l'update, c'est quoi? L'update, j'ai juste changé l'image, puis Ouais, lui, dans quand son tu script, démarres, ouais. et quand il démarre, il détecte que la base de données, elle est différente, ou moving old, il fait la mise à jour tout seul, là. J'ai vraiment rien fait là-dessus, là. Le container, il est bien fait pour ça. Toi, database, upgrade complete, puis il a tout fait pour moi tout seul. À part le petit bug qu'il y avait pour la BD, là, qui doit être corrigé maintenant dans la nouvelle version. D'autres questions? Problème de performance. Bon. Ok. Donc là, j'ai mis à jour mon OS, donc mon Ubuntu dans le cas présent. Donc, je ne le reboot jamais ma box. Je ne sais plus combien de temps, c'était quoi mon uptime. Ce n'est pas un an parce que je fais mes updates assez régulièrement. Mais suite au redémarrage, ben, j'ai une grosse peur parce qu'il n'y a aucun container qui marchait. Je faisais Docker PS, ça hang, ça freeze. Je fais un Docker Info, ça freeze. Il n'y a rien qui se passe. La seule chose que je peux faire, c'est CTRL-C sur la commande, puis j'attends. J'attends. Donc là, j'ai quand même vraiment eu peur, là. Et je n'avais pas upgradé le Docker à ce moment-là. J'avais juste upgradé mon Ubuntu. Donc là, tu imagines bien, je transpire parce que tout est dans Docker. Je suis quand même vraiment pas rassuré de mon truc, là. Attends. Ça, je ne les ai pas mis. Attends, là, j'ai. Fin du reboot, début du démarrage de Docker. Donc, tu vois, il est 22h19, c'est la fin du reboot. Et là, j'ai réussi à me connecter en SSH. Puis, 22h21, je vois juste ça dans les logs, puis ça continue à hanger. Là, ce que je me dis, c'est que là, j'attends, j'attends, j'attends. Puis là, je me dis, bon, ben, fuck, là, ça démarre pas, je vais l'arrêter. Ok, ça c'était pas la bonne idée. Ça, j'aurais dû attendre finalement. Mais je le savais pas à ce moment-là. Ça va shit happen. Ouais, plus que ça, parce qu'il est 35 là. Hein? Ouais, bah tu sais, je crois à mon système là. Ouais, non, mais. Finalement, je me dis ok. Donc là, ça s'est arrêté à 37. Je le redémarre. J'attends, 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 j'attends.
Donc là, j'ai quelques erreurs qui me pop-up avec des containers, avec des questions de sandbox, remove star sandbox. Ah, well, tu sais, je veux dire, ça, c'est peut-être ce que j'ai fait avant, là. Donc là, je continue à transpirer. Là, je fais un IO stat pour regarder comme qu'est-ce qui se passe, parce que, tu sais, je vois pas ce qui se passe dans la machine. J'ai du 11% d'IO weight, le lining, hein, c'est pas tout à fait. Puis la majorité, c'est sur MD3. Effectivement, c'est où il y a mon data de Docker. Fait que je me dis comme, OK, pas grave. Donc là, j'attends. À 23h, le service revient, donc 23 minutes après. Donc là, j'étais comme fuck. Donc là, c'est plus ou moins corrigé, c'est juste que mon Docker PS et tout ça, puis mes containers, ils ont démarré. Fait que là, ce que je me dis, bon, ben, j'avais un autre issue, mon site web était non disponible, tag 27. Fait que je me dis, OK, c'est pas grave, là, faut tester, faut comprendre ce qui se passe. Donc, je fais un Docker stop, donc il est 56. Je refais, là, j'attends, ça s'arrête. Donc là, vous avez pas les logs parce que c'est dans mon. Je les ai pas cleanés. Fait que. Et là, je refais le start. Donc là, j'ai pas de reboot qui a été réalisé et ça me prend donc 10 minutes. Un peu plus que ça, là. Une quinzaine de minutes. Puis là, tu sais, même chose, là, tu sais, je vois plein de petits points comme ça, puis j'attends, puis à un moment donné, paf, ça s'en vient. Ouais, 10 fucking minutes. Ouais, ça vient de mon wiki perso, fait que j'ai le droit d'écrire ce que je veux. J'ai pas cleané encore. Pas tout cleané. OK, là, je me suis dit, OK, je veux vraiment être sûr que, est-ce que c'est parce qu'il était comme entre deux pattes? Ou est-ce que si je fais le full reboot, combien ça va me prendre? Ce que je veux juste, c'est comme comprendre la situation que j'avais pas encore identifiée à ce moment-là. Heureusement, je l'ai identifiée. Maintenant, ça prend quelques secondes. Donc, je fais le reboot, tac, tac, tac. Bon, là, je fais pas le SSH rapidement. 31. Donc, ça prend 15 minutes, toujours pas de container. Donc là, j'attends. Parce que quand je fais le reboot, ça prend plus de temps. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi encore. IO wait, donc ça confirme, j'ai toujours le 11%, toujours sur le MD3 où c'est le plus utilisé, donc cool. Tout confirme, là c'est sûr que je stresse moins. Là. Donc là, pas de restart cette fois-ci, hein. je me contrôle. Ça gèle toujours, Docker Hang, tac tac, j'attends. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est le nombre de containers que j'ai. J'en ai 10534 containers dans mon Docker. OK, donc là, ce que je fais, OK, bon, ben, c'est peut-être ça la petite problématique que j'ai. Donc, là, j'ai fait un Docker PS, mais en fait, j'en ai juste 13 qui roulent sur les 10500. Donc là, ce que j'ai fait, donc j'ai fait un petit peu de clean-up. En fait, j'avais une mauvaise compréhension du système de Docker. Et puis, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on le partage. C'est que moi, pour moi, mon idée, que quand je faisais un Docker run Debian Latest, méchant, ou peu importe, il mettait un nom aléatoire, un petit peu funny parfois, là. Et après, quand j'arrêtais mon container, pour moi, il détruisait le container. Non. Il le garde. Fait que là, mon système de cron qui démarrait un container aux 5-10 minutes, tout le temps pour faire une opération, ben, vu que je ne l'avais pas nommé, ben, à chaque fois, il me créait un nouveau container qui était de toute manière jamais réutilisé. Fait que j'aurais dû le nommer puis le détruire au fur et à mesure à chaque exécution. Mais ça, je ne le savais pas encore. Maintenant, je le sais. Fait que, résultat, bien qu'il ne soit pas en exécution, ça fait en sorte que ben il y en a un nombre qu'il est obligé de processer pour voir que c'est des containers qui seraient potentiellement démarrables finalement. Donc là, j'ai fait un petit peu l'exercice, j'ai listé tous les containers, donc ça c'était le nombre total. J'ai regardé ceux qui étaient assignés à la tâche Jenkins, donc qui roulait mon opération aux 5 minutes. Finalement, ben, il y en a juste 95 qui étaient potentiellement valides. Donc déjà, si j'enlevais juste ce Jenkins. Fait que, donc j'ai fait l'opération. Donc j'ai fait un Docker RM en prenant tous ceux qui venaient pour la tâche Jenkins avec le UID. Donc là, ça a fait du ménage. Et après, j'ai trois types de préfixes que j'utilise pour nommer mes containers.
Ah, donc là, c'est pas préfixe 1, préfixe 2, là, on s'entend. Je les ai cachés. Mais donc là, ça m'a permis de voir ce qui était utilisé pour, avec les préfixes. En fait, les containers qui ne contenaient pas le préfixe. Donc j'en ai donc fait un cleanup de 64 encore. Puis finalement, ben, je me retrouve avec 32 containers. Qui est le double de ce qui est par production. Ouais, c'est ça. Ça, c'est correct. Là. Oh, ouais. J'en ai qui résident là. Mais ben, finalement, ben, maintenant, quand je fais le stop-start, là, ben, le start, ça prend comme 15 secondes. je suis moins tenté à faire un stop en plein milieu. Fait que les containers, il faut faire un peu de ménage de temps en temps. Avec la nouvelle version, avec 1.13, à partir de 1.13 de Docker, tu as Docker Prune qui te permet de faire du ménage. Mais je n'ai pas encore testé parce que j'étais encore en 1.12 à ce moment-là. Fait que j'avais pas encore upgradé non plus ma version. Fait que j'avais pas le feature qui était là. C'est pour ça que je l'ai fait à la main dans le cas présent. Mais apparemment, Docker Prune m'aurait permis. OK, quelle idée? C'est bon. Fait que là, on va voir la mise à jour de Docker. Bon. Donc, moi, j'avais la vieille version 1.12 qui est celle qui vient avec Ubuntu. Mais, comme je dis, je voulais avoir le Docker Prune pour faire du ménage, etc. Et maintenant, Docker, ils ont changé un peu leur nomenclature. Ils ont pris une version entreprise, une version libre. Et ils sont rendus, ben là, ils ont fait le saut de... Ça passe de 1... Oh, je ne sais plus. En tout cas, c'est 17 points, là. Mais je pense qu'ils ont juste enlevé le 1 au début pour faire le changement. Le Docker Prune que je vous parlais un petit peu plus tôt. Donc, en fait, je voulais faire l'upgrade qui se passait. Donc là, je regardais un petit peu la doc sur de Ubuntu. Une des premières tâches qu'il fait, justement à cause du changement du Docker, c'est tu dois supprimer l'installation courante de Docker. J'étais super confortable à le faire. Mais dans la DAC, ils disent, mais 20 livres Docker ne sera pas touché. Ouais, man, ça réduit vraiment mon inquiétude. Là. Merci. Là, surtout qu'en plus, j'ai quelques pet containers qui sont sur ma machine. Fait que là, j'ai-tu vraiment envie de faire l'upgrade? Je ne suis plus trop sûr, là, mais je veux avoir les nouvelles versions. Fait qu'à un moment donné, il faut faire le saut. Là. En plus, ça faisait longtemps que je l'ai retardé. Là. Fait que je me dis, comme bon, OK. Là, tu t'es déjà tout fait chier à ranger les performances et tout. T'es dedans. Let's go, mon homme. On le fait. On n'en parle plus après. Donc, j'ai regardé donc, la version courante. Donc, mon Docker Engine, on voit vraiment 1.12 qui est là. Mon Docker Info, ouais, j'avais pas tout à fait le ménage. J'avais pas fini à ce moment-là. Fait que, c'est pas séquentiel ce que je vous montre. Donc là, ce que je me suis dit, ah bon, ben j'ai quand même des pet containers qui roulent en ce moment, ben j'ai envie de faire un backup de ces containers-là. OK? Donc on ne sait jamais. Là. En fait, si on regarde, je fais un Docker PS, donc ça, c'est mon container qui roule. Donc là, j'ai juste donné un exemple. Ce que j'ai fait, c'est que un container qui est en exécution, tu peux le convertir en image. OK? Avec Docker commit. Tu peux convertir en image. Donc, résultat, ce que j'ai fait, donc là, c'est le test passant pour que vous voyez. Docker PS, je récupère le ID du container, donc qui est initialisé et qui roule. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc le Docker commit de ce ID et je l'ai mis en. J'ai donné le nom avec le tag running. Et si je fais un Docker image maintenant, je vois mon nom de pet container. Running, puis ça c'est mon image officielle, originale. Donc ça me fait un backup. Ouais. C'est poche là, mais ça me fait un backup de la machine dans son state actuel. Non. Voilà. J'avais pas beaucoup d'options. Mm-hmm. Si on regarde là, je fais pas grand chose là. Il lit ses containers qui sont en exécution. Je fais un petit peu de clean-up pour avoir le ID puis le nom, puis je rajoute running après. Juste pour que ça fonctionne.
Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un backup de mon var lib docker. Parce que, tu sais, il n'y touche pas, mais tu sais, hein, il ne touche pas. Soyons. Bien sûr, idéalement, quand j'ai fait cette opération, on ne le voit pas, mais j'ai arrêté docker avant, là, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuck-up. Tu vois quand même que mon var lib docker fait 20 gigs. Je ne sais pas combien il est maintenant, là, vu que j'ai fait encore d'autres ménages. J'ai mis en commentaire mon repository original. Puis, je me suis lancé à faire mon apt-get remove docker engine. Oui. Donc, là, j'ai remis la note. Et effectivement, il n'y a pas touché. OK. OK. J'ai au moins eu de la chance. L'installation du nouveau repository officiel. Ben non, ça, c'est les packages qui sont requis, mais tout était déjà installé. La clé GPG du registry, donc du repo de Docker. L'installation du repository, donc le nouveau repository, c'est pas le même qu'avant. J'ai validé les versions, j'ai fait mon installation de Docker, apt-get install docker ce. Et, ah oui, moi j'avais un issue, en fait j'utilise le système de device, j'utilise pas de device mapper pour l'utilisation des layers de Docker, j'utilise OFS. C'est celui-là qui vient par défaut dans Ubuntu, mais sous Red Hat, c'est de Device Mapper. Donc, grosso modo, j'ai mis le lien là, mais attends, y a-t-il une image? Hop! Ah non, on ne voyait pas d'image. C'est comment il gère les layers, comment il gère le file system des containers. Donc, j'avais une petite inquiétude qu'avec la nouvelle version, ça allait être quel système que j'allais avoir, parce que je ne peux pas passer de l'un à l'autre comme ça. Les métadatas, ils vont changer, fait que je ne peux pas me permettre. Finalement, ben, j'ai juste eu peur pour rien du tout. Il loaded, tout est bon, mon docker info, j'avais la bonne version, mes running, mes images qui étaient en présent, puis tout s'est bien passé. Ou presque. Cool? Masse de temps. Problème de réseau, parce que j'avais un problème. En fait, quand j'ai fait ça, suite à mon redémarrage que j'ai eu, puis avec les problèmes de performance, j'ai décidé de mettre à jour mon Docker parce que j'avais un problème avec mon site web ne marchait plus. Comme je n'étais pas critique. Mon GitLab, il marchait, puis mes emails marchaient. Tu vois. Il fallait l'arranger, mais bon. Je me suis dit que peut-être en mettant à jour mon Docker, ça allait corriger mon problème, mais bon, comme dit, je ne vais pas négliger ma vie familiale pour un site web, c'est pas vrai. Donc, j'ai réglé mes problèmes de performance, j'ai mis à jour mon Docker, mais j'avais toujours un problème que mon site web ne fonctionnait pas. En fait, c'est pas tant le site web qui marchait pas, que Moodle, il marchait, mais le système de proxy fonctionnait pas. Il est où l'image? Il n'y a pas d'image. C'est magnifique. Hop. Okay. Donc, quand les utilisateurs établissent une connexion pour aller sous Moodle, moi, j'économise mes adresses IP publiques. J'en ai, là, mais j'essaye de limiter au maximum mon utilisation parce que j'en ai pas besoin. En fait, je mets des mécanismes autour. Et donc, puis vu que j'ai plus qu'un container, ben, si je voulais que eux, le Moodle puis le CMS, ils écoutent sur le port 80 ou même 443, ben, vu que le container, il faut que je le bind au port externe, ben, ça me ferait du 1 pour 1. Fait que si je veux avoir 5, 6, 10 containers, ben, il faudrait que j'ai 5, 6, 10 adresses IP. Ce qui n'est pas vraiment requis dans mon cas. Je sais pas, j'ai pas le load, là. C'est pas requis. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai un proxy serveur qui reçoit l'ensemble des requêtes HTTP et après, il balance avec l'URL vers les containers à l'interne. Donc, ça me permet d'avoir une adresse IP exposée. Et après, à l'intérieur, ben, ils gèrent ce que, selon les sites. J'en ai 5 containers, je pense, qui reçoivent des requêtes HTTP. Tout ça par le proxy en amont. Okay. Ça me fait un lieu à sécuriser plutôt que tous les autres qui sont exposés. Mais bon, peu importe.
En fait, mon problème, c'est ça qui s'est passé. C'est que mais les différents containers, Moodle, CMS, tout ça, ils marchaient super bien. Quand j'y allais avec l'adresse IP, ah, je l'ai fermé, non. Quand j'y allais, ben, moi j'ai un VPN qui me permet de me connecter directement dedans. Fait que quand j'y allais avec mes connexions VPN, ça marchait super bien, tout, mais pas le proxy. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je refais donc, le Docker PS pour avoir le proxy, ben, je ne le voyais pas. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, correct. Je vais faire un Docker start proxy. Et c'est là qu'il m'a donné l'erreur, blablabla. Bind for 211.40k, pas already allocated. Là, je fais OK. Pourquoi il est déjà allocated? Je regarde, j'ai regardé mes ports donc avec Netstat. Effectivement, le 211.443, il est déjà pris par un Docker proxy. What? Mon container, il ne roule pas. Pourquoi tu me dis qu'il est déjà pris? J'ai regardé le port, le PID 4452, qui est là. Et si je regarde, effectivement, Docker proxy, proto, l'adresse IP externe, le port, et j'ai un IP d'un container à l'interne. OK, parfait. OK. J'ai cherché c'est qui a cette adresse IP-là. J'aurais pu faire un Docker inspect aussi pour regarder le network qu'il a, mais il n'était pas à l'intérieur. Là, dans leur output, dans le cleanup que j'ai fait, j'ai oublié de le mettre là. Mais l'adresse IP .2 n'était pas en cours d'utilisation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans Docker, donc dans var lib docker container, j'ai essayé de trouver c'était quel container. Donc là, j'ai juste fait un test passant en prenant un ID d'un container, puis tu as un fichier host à l'intérieur, et ce fichier host là contient l'IP et le nom du container. Donc ça me permettait juste de faire un test passant de selon la structure de Docker, comment il était fait. Donc là, j'ai fait un gros find de la mort. Heureusement, j'avais déjà fait mon clean-up de container, fait que c'était quand même un peu mieux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un find pour trouver tous les fichiers qui étaient host, donc le etc host, et j'ai fait un grep avec le -h pour qu'il me donne le nom du fichier avec l'adresse IP que je recherchais. Résultat, effectivement, il m'a donné un container qui existait et, ben, regarde, .2, puis c'était bien le proxy. Fuck. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là j'ai un fuck-up dans le UI, n'est-ce pas? Donc l'idée est bien prise par Docker, mais il ne démarre pas. Okay. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Prod, blablabla. PS. Ah oui, là j'ai regardé avec PS-A, donc pas juste ceux qui roulent, mais ceux qui ont roulé dans le passé. Et là, effectivement, il y a 3 mois, il a dit exit 128. OK, parfait. Donc, il y a un arrêt. J'ai fait un Docker stop pour être sûr qu'il est bien arrêté. Echo, pas d'erreur. Parfait. Donc, on refait le start. Paf, dans ma gueule, même erreur. Ça ne marche pas. Pas mieux. OK. Pas grave. Effectivement, il a tout de même raison de dire que quand je fais le netstat, le port 80 et 443, il est pris. J'ai quand même le process. Pas de problème. Je vais les tuer gentiment. Hein. Ça ne sert à rien de mettre le -9 quand ce n'est pas requis. Donc, je le tue gentiment. Je refais un Docker start du proxy, même erreur. Je m'en sors pas, en fait, pour le moment. Il y a eu 2 jours, hein, les deux. By the way, je n'ai pas la même soirée. Hein. Je ne l'ai pas corrigé la problématique. Pas grave. Mon proxy, par chance, c'est un pet container. C'est pas un pet container. Donc, lui, il est bien fait. Enfin, je me dis, pas grave. Je récupère le ID, je supprime le container, puis je le recrée. On a mal, pas de destruction. Ah, ok, ouais, j'avais pas dû corriger. Je sais plus. Peu importe. Je fais le stop. Je redémarre tout Docker pour être sûr. Le port est toujours pas là. Le Docker proxy, il est pris encore. Je m'en sors pas. Et je regarde. Ce qui se passe en plus, ce qui est drôle, c'est que le PID, il change, mais pas l'adresse IP de redirection.
J'ai cherché sur Internet. Mais tu chercheras ça sur Internet de Docker démarre pas parce que le port il est déjà pris là. C'est parce que les gens souvent ils ont démarré Apache puis il est comme resté là puis ils n'ont pas fait attention ou t'as déjà un container qui roule là. Fait que faire le tri dans le noise là, ça n'a pas été évident. Finalement, j'ai identifié une réponse plausible sur, sur GitHub. En fait, ce qui se dit, c'est que à partir de la version 1.2, le Bridge Network, donc qui est mis, il conserve le endpoint dans un fichier. Ce qui fait en sorte que quand ton container démarre, au lieu de relire l'ensemble puis de valider le network, ben il a stocké l'information, donc ça lui permet de faire un démarrage plus rapide. On va faire un cours. Et en fait, il l'utilise un petit peu comme un sandbox pour démarrer, puis là, il donne quelques solutions pour pouvoir fixer la problématique. Et j'aurais espéré que mon upgrade corrige ce problème. Et ils ont de la difficulté à le reproduire en fait, parce que ça te prend un reboot là-dedans, puis c'est comme pas évident à reproduire. Ça, c'est quand il y a un état qui est stallé que ça fait ça. Ouais, ça l'arrêtait en plein milieu, puis le redémarrer là, tu sais. Oui, parce que ça, il y avait. Ouais, c'est ça, tu sais. Damn users qui sont pas capables d'attendre. Non, mais s'il y avait eu un message dans les logs là, je l'aurais peut-être pas fait. Bon. Et tu sais, après 10 minutes là, me semble là. Effectivement, si j'étais sous Windows, ça serait peut-être normal, mais bon. Donc, ce que j'ai trouvé, en fait, ce qu'il dit, c'est que détruis le network, recrée-le, puis redémarre, puis ça devrait être bon. Ou sinon, tu peux détruire un autre fichier. Attends, il est où le fichier? Il donne plusieurs solutions. Détruire ce fichier-là, puis si ça ne marche pas, il y avait un autre fichier que tu pouvais supprimer. Je me suis pas rendu là, en fait. Parce que l'idée, c'est que on va supprimer le fake network de Docker. Hein, comme on avait vu, moi, j'ai comme 3 networks à l'intérieur. C'est un des networks. Et on va le détruire, ce qui va mettre voider, là, donc annuler le state qu'il a conservé dans les containers. C'est ça l'idée. Ça a super bien marché. Donc là, j'ai fait mon Docker Network Inspect. Donc, pour voir qui a utilisé les adresses IP, je l'ai mis dans un fichier. Et donc là, ça m'a permis de voir les adresses IP qui étaient associées. J'ai arrêté tous les containers qui étaient donc associés au network BR3, X3. Là, j'ai repris le fichier, j'ai fait un cut machin pour aller juste chercher les noms. Là, mais tu sais, je n'ai rien qui fait bourrico, donc je les ai arrêtés. J'ai fait un backup de mes pet containers, encore pour être sûr, en plus de mon MySQL pour être sûr. Okay. Vous voyez, j'ai changé le tag running 17 cette fois-ci, parce que j'avais déjà running d'utiliser, là, juste pour prendre des chances. Là. Jamais trop prudent. J'ai supprimé mon réseau BRX3. Okay. Parfait. J'ai fait mon stop, mon start. Bon, là, j'affiche, mais vous ne l'avez pas, là, de toute manière, il va dire que le fichier n'est pas là. J'ai des erreurs de démarrage pour le network BXR3, file container not found. OK. Normal, je ne l'ai pas recréé. Docker PS, bon, là, j'ai 2-3 trucs qui roulent, qui est dans un autre network. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Je recrée mon réseau. OK. Ouais, c'est là que j'ai stressé, en fait. Quand j'ai vu le ID du network. Parce que là, je me suis dit, là, je remets le même nom, mais mes containers qui roulaient avec ce network-là, ils utilisent le nom ou le fucking UID là, que j'ai pas noté avant de détruire l'ancien. OK? En fait, je dois l'avoir parce que j'avais vu que je conserve mes Docker Inspect dans un fichier, je devais peut-être l'avoir. Mais est-ce que je vais pouvoir le changer? Est-ce que, tu sais, bon. Donc là, j'étais quand même vraiment plus convaincu. Ouais, c'est trop tard, hein? Je m'étais lancé, fait que, au pire, je me démerderai après. J'ai fait une validation en démarrant uniquement un container, un qui n'était pas critique, là, que ce n'était pas un pet container, fait que j'étais confortable. Et là, miracle, là, ça a démarré. C'est quand même hot, là. Tu sais, ils sont capables d'utiliser juste le nom et pas le fucking UID.
J'étais vraiment content. J'ai fait stop, j'ai fait start, pas d'erreur de log, et j'avais mon proxy qui était revenu. J'ai... C'est parce que tu as une vieille version Docker. Je pense que la vieille version de Docker, c'est là qu'ils ont introduit ce concept-là. Je pense qu'ils ont dû mettre des mécanismes pour que ça soit mieux, mais le concept il est quand même conservé, c'est-à-dire qu'il y a un fichier qui est conservé pour l'état du network avec les containers. Donc, je pense que ils ont dû mettre des mécanismes autour pour protéger, pour que s'il y a le couillon qui fait un restart en plein milieu, ça soit correct. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Je veux dire, ça devrait plus, mais encore là, on voit quand même qu'il y a des solutions de contournement par la suite. Mais aussi, ça peut montrer que si tu veux changer ton subnet, bah, tu peux aussi. Tu le détruis, tu le détruis, tu le recrées, puis ça va repartir avec l'association des containers. Fait qu'il y a quand même un plus là, la mécanique elle marche. Voilà pour aujourd'hui. D'autres questions? Puis comme je dis, on va retourner sur AWS la prochaine fois avec les VPC là, donc l'ensemble du réseau d'Amazon. Mais je pense que je vais arrêter la vidéo.